Et salut tout le monde, ici Mode500 et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour l'épisode 2 officiellement. Donc les amis, je viens de me connecter et je vois ça, voilà. Donc je pense que c'est Minette qui a fait ça, hein, voilà. Donc à mon avis, elle a caché des poules parce qu'en fait j'avais été foutre des poulets partout dans sa maison. Je pense qu'elle voulait un peu se venger. Donc du coup je vais enlever ça et puis ensuite on commencera les vrais travaux qui sont prévus. Alors tac. Au moins c'est gentil, elle m'a fait un petit cœur. Oh la vache. Et elle m'a donné à bouffer du coup. Alors où c'est qu'elle a mis les poulets? Moi j'ai faim, j'ai besoin de manger. Il y a encore des poulets. Voilà, ici un poulet. Voilà, toi, reviens là. Là. De toute façon, il faut que je terraforme. Donc aujourd'hui, les amis, nous allons faire en fait la maison au spawn. Parce que vous pouvez le voir que ça a bien avancé pour les autres joueurs. Voilà. Putain, ils vont me rendre fou ces poulets. Donc la dernière fois au live, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh ben, on avait fait. Il y en a où les poulets? Voilà. On avait fait donc la visite du Nether et on avait aussi fait l'usine à poulets. Voilà, là il y a un poulet. Tac. Voilà, ça c'est fait. Ah putain, il y en a encore. Donc, de toute façon, il fallait que j'enlève tout ça. C'était prévu. Donc on va faire la maison qui est ici. Donc une petite maison que j'avais designée il y a déjà un moment. Que je devais faire dans le village de l'ancienne saison, mais qu'on n'a jamais fait. Voilà, le terrain là il devrait être pas mal. Putain, il y a encore des poulets où? Ah, ils vont me rendre fou! Je sais qu'elle a mis des poulets. Peut-être en tout des blocs là. Non. Ouh, petit poulet! Ben, je sais pas. On verra bien au fur et à mesure. Donc du coup, on va commencer, on va pas perdre de temps. Du coup, il n'y a pas de timelapse ni rien parce qu'en fait, la maison, il n'y a plus le mode de timelapse du coup, vu qu'on a changé de version. Alors attendez. 1, 2, 3, 4. Ok, il faut que je monte de 4. 1, 2, 3, 4. Donc du coup, on va faire à l'ancienne un épisode où on construit. Il me semble que là, non, là, il n'y a pas de poutrelle. Là, il n'y a pas de poutrelle. On va faire ça de tête. 1, 2, 3, 4. Donc c'était là. Non, c'était là. On va faire ça de tête et puis comme ça. 2, 3, 4. Et puis c'était au cinquième bloc. Donc du coup je me suis déjà couré. Et puis du coup voilà. On va le faire ça à l'ancienne. Ça change un peu. Parce que tout le temps des timelapses aussi. Donc on va juste faire la structure aujourd'hui.
Donc la structure avec les poutres, et puis on va mettre la pierre taillée dedans. Donc comme d'habitude j'utilise des poutrelles en sapin. Bah, pourquoi? Parce que le sapin je trouve ça plus sympa. Voilà, ici il y a donc une poutrelle, ici il faut remettre de la dirt. Et ici il y a une poutrelle. Non, ici il n'y a pas de poutrelle, attendez. Il faut compter 13. Donc 13 à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Ok, là il y a une poutre. Et là ensuite 13, 1, 2, 3. Et là normalement il y a une petite terrasse. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On ramène la poutre. Tac. Donc voilà, comme d'hab, des petites poutres en sapin, ça coûte pas cher, c'est facile à récolter et au moins, comment dire. C'est les plus jolies poutrelles, moi je trouve. Le bois a une bonne couleur, a une belle petite couleur, donc du coup ça passe bien au niveau des maisons, quoi. Alors, par contre, on va reboucher ça parce que on va se casser la gueule. Puis j'ai de la dirt à dépenser, donc du coup, voilà. Ça fait du bien de plus entendre les poulets là. Si je m'attendais encore à ça, moi. Donc voilà, on va pas faire le tour tout de suite des habitations, mais là, en gros, il y a Mélinette. Là, il y a Lucas. Derrière il y a Darkminos, là derrière il y a comment s'appelle Biquette, là c'est Enigma, là-bas c'est Clem et là-bas c'est Dédé. Voilà. Normalement j'ai oublié personne. Non, normalement j'ai oublié personne. Donc voilà, un petit serveur. Ici c'est 16. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, c'est ici. 2, 3, 4, 5. Voilà, on ramène la poupoutre. Tac. Alors, comme d'hab, moi, quand je construis, je parle pas beaucoup, hein. En même temps, je sais pas quoi dire. Je suis concentré à ce que j'ai fait. Puis là, j'ai fait de la merde. De la belle merdasse. Et en même temps. Voilà. En même temps, le sol est trop haut. Voilà, impeccable. Voilà, ça c'est bien. Tac. Donc là, bien sûr, il y a une petite terrasse hein, qui va avec. Petite terrasse qui va bien. Qui est cachée d'ailleurs. Bon, ça, on va pas la mettre tout de suite. Ou à la limite, on peut, c'est monde de 3. Bon, toi, cet arbre-là, on va le couper. Ça nous fera du bois comme ça. Ça peut nous servir pour faire l'intérieur. Parce que vous savez que j'aime bien faire mes plafonds en bois de bouleau. Petite terrasse. Hop là, impeccable. Alors ensuite, du coup là il y a une grande poutre qui revient. Là ça revient là. 2, 3. Et hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oula, j'ai mal compté quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, j'avais mal compté. Voilà, autant pour moi. Tac. Heureusement que j'ai fait le plein avant parce que j'ai replanté du bois, il n'avait pas poussé. Je comprends pas pourquoi. Donc là, pareil, il faut que je remette de la dirt. On va laisser le bloc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comme ça, on aura toute l'armature
disons la forme de la maison. Et ça sera beaucoup plus simple après pour faire les petits détails. Voilà, impeccable ça. Tout, tout, tout. Au moins comme ça on voit un peu la grandeur qu'elle va faire la maison. Bon du coup j'ai plus de bois de sapin. Ça c'est embêtant. Est-ce que j'ai de la poudre d'os? Ah, j'ai plus de poudre d'os. Ah si là j'ai de la poudre. Du coup on va faire pousser un sapin. Vas-y, pousse-toi. Bah alors? Saloperie, il a pas voulu pousser quoi. Pas voulu pousser. On va en prendre 4, 4. Voilà, un petit arbre qu'on va couper tout de suite. Donc, pour parler un petit peu de la série quand même, on va essayer de faire un épisode par semaine à peu près, comme ça on a un bon rythme. Et puis c'est surtout parce que je vais jouer assez souvent au jeu, donc voilà, je pense qu'un épisode par semaine c'est faisable. Et puis du coup, voilà quoi. Comme ça, vous suivrez au moins à peu près les avancées des projets, quoi. Alors, il y aura beaucoup de trucs qui vont se faire hors caméra, quoi. Tant que le mode des timelapse n'est pas sorti, ça va être compliqué pour moi de faire des vidéos construction, tout ça, quoi. Parce que construction comme ça, c'est pas forcément passionnant. Enfin, pour moi, je pense que c'est pas passionnant. C'est mieux en timelapse, quoi. Voilà, ça c'est impeccable. Comme ça, on a récupéré un petit peu de bois. On va pouvoir finir donc et la partie avec les poutres. On va aussi couper donc cet arbre qui nous fait chier. C'est un peu le bordel dans mon inventaire. Hein. Mais bon, c'est qu'une question d'habitude, ça. Hop, oh putain. Non. J'ai plus de terre. Je n'ai plus de terre. Tu vois, il faut que j'enlève ça. Voilà. Tac, une grande, 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 grande poutre. Et en plus, on va pouvoir décorer la maison comme il faut parce qu'on a pas mal de nouveaux trucs. Des nouvelles techniques de déco, qui est vraiment sympa. Ah, fuck you. Voilà. Alors, bon, c'est pas grave, on va recommencer de là. Tac, tac, tac. Tac, et tac. Et tac. Et tac, et tac. Ah! Voilà. Bon. Voilà, comme ça on a tout le tour de la maison. C'est de calme, il nous manquera juste un petit peu de dirt à mettre ici. Et bien sûr, donc pour les murs de cette petite maison, on va prendre de la pierre taillée. Parce que je rappelle le thème. Du serveur, c'est donc médiéval, médiéval, ouais. Donc du coup, j'en avais préparé, mais du coup, j'en aurais pas assez. Il va falloir en refaire cuire. Est-ce qu'il me reste du charbon? Oui, j'ai du charbon. Oh, j'ai un poulet. Allez, on va bouffer le bois là. putain, j'ai mon inventaire qui est dégueulasse. On regarde ce qu'on va faire. C'est que. Voilà. Voilà. Tac, prends ça. Foutre ça là-dedans. Ah ben, on a eu une pousse de bois de bouleau. C'est cool. Ah, ils vont me rendre fou ces poulets.
Oh, ça se rapproche. Putain, ils sont où? C'est pas possible! Et j'ai plus de pelle. Où c'est qu'ils sont? J'y trouve pas. Ah, ce délire. Il me faut une pelle. Et je les entends fort ici. Donc normalement, ils devraient être ici. Enterré. Ah, ils vont me rendre fou. Non, bah, ils sont pas là. Bon, c'est pas grave, du coup, j'ai plein de terre. On va juste. On les retrouvera bien un jour. D'ailleurs, je suis con, j'aurais dû laisser. De toute façon, la terre, il faudra qu'on l'enlève pour le sol de la maison. Donc, c'est pas grave. À la limite, on s'en fout. Comme ça, on trouvera sûrement les poulets qui font chier. Donc, en suivant le projet, on a aussi à refaire ici le petit lac. Là, en fait, on va se faire derrière la maison un petit endroit jardin avec une petite mare, on va dire. Donc, comme ça sera bien sympa. Bon, du coup, là, on n'a pas retrouvé les poulets là. Oh, ils sont, ils doivent être là, quelque part là-dedans, là. Ah, bah te voilà, toi. Il y en a encore. Oh putain, c'est pas possible. On va ravager toute la plaine juste pour trouver des poulets. De toute façon, il fallait qu'on creuse. Je sais pas où ils sont. Et je les aurai. Hop, voilà, comme ça, on est bon. Alors, du coup, on va prendre notre pierre taillée. Tac, qu'on va mettre du coup à l'intérieur. Excusez-moi, 20 jours. Alors, on va refaire. Donc, j'ai enlevé trop de terre. Est-ce que là c'était comme ça? Je m'en rappelle plus là. Attendez, je vérifie un truc. Ça me semblait bien. Alors, là c'est comme ça, tac. Alors on s'occupe pas des fenêtres, hein. On fait bien sûr. Toute la structure. On taillera les fenêtres plus tard dans la déco. Pour l'instant, ça sera juste un gros cube dégueulasse. Non, là, c'est. J'ai un œuf. Tiens. Là, il faut de la dirt. Mais j'ai pour dirt. On va manger un poulet. Voilà, un pick-up comme ça.
Donc voilà, une maison typique, hein. Rien de bien compliqué là-dedans. D'ailleurs, toi, tu vas mettre le charbon là. Hop, 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 hop. Voilà, impeccable. On remplit pas le coin, bien entendu. Voilà, ça c'est bien. Bon, je sais pas où il est ce poulet, mais il me fait chier, hein. Alors, 1, 2, tac. Il n'y avait qu'une porte. Il n'y a qu'une porte, il n'y a qu'une porte. Voilà, ça doit être comme ça. Puis là, en fait ici, ça sera pour la déco. En fait, je fais les ouvertures de porte en même temps. Du coup, oui. Là, il n'y a pas de porte. Donc là, en fait, on peut déjà couvrir comme ça. Là, il n'y a pas de fenêtre. Ensuite, il n'y a pas de fenêtre. Ensuite, il y a une fenêtre de 2. Ensuite, il n'y a pas de fenêtre pendant 3. Et puis, il y a une fenêtre de 2, il me semble. 2 ou 3? Non, c'est des fenêtres de 3. C'est des fenêtres de 3, 3, 1, 2, 3. Alors, voilà, comme ça. Tac. Voilà, impeccable. Alors ensuite ici, ici je sais plus. Dans tous les cas, c'est comme ça. On va faire donc du coup pareil de l'autre côté là, où il va y avoir le coffre qui va nous faire chier. C'est pas grave, on mettra plus tard. Alors 1, 2, 3, il y a une fenêtre de 3. 1, 2, 3, une fenêtre de 3, et puis là, voilà. Tac. Voilà, impeccable, tout bien. Ensuite, attendez 5 minutes. Voilà, comme ça. Alors. Ça fait donc pour ce côté-là, comme ça, une, deux, une fenêtre de une fenêtre de une, ça fait comme ça. Ensuite, on revient, il me semble. D'ailleurs, les fenêtres, faut les fermer, il me semble. Je suis pas sûr. Au pire, pour la déco, si jamais ça ne va pas, on cassera, on enlèvera, hein, c'est pas non plus trop grave. Ensuite, ça fait donc une petite fenêtre. Une, là il y a du bois. Une, et là une fenêtre de 2. 1, 2, une. Là il y a du bois. Une. Non, non, il y a eu. Je me suis trompé là. 1, 2. Là, je me suis gouré un petit peu, je pense. Ah non, non, je me suis pas gouré. Non, non, c'est bon. Tout est bon. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça on aura plus facile dans le prochain épisode, hein, les amis. Donc là c'est un peu compliqué parce qu'il faut compter. J'avais dit, attendez, une, là il y a du bois. Et là il y a du bois. Vous comprendrez dans le prochain épisode, bien entendu. Voilà, impeccable. Donc, ensuite. Ici, alors, on nous sommes retour avec les grandes fenêtres. 1, 2, 1, 2, 3, tac. Là, 1, 2, 3. On refait une grande fenêtre de 3. 1, 2. Et puis là, ça va jusqu'au comme ça. Où il n'y a rien. En fait,
fait, ici, ça sera une cheminée. Ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et merde. Et merde. Et merde, et merde, et merde, c'est la merdesse. 1, 2, 3, je réfléchis, je réfléchis. 1, 2, 3, et c'est bon. Voilà, nickel. Comme ça, on nous avons nos fenêtres. Et puis, c'est parfait. Tac, 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 tac. Et merde. Et puis, du coup, on va pas tarder à se laisser là parce qu'après l'épisode va être trop grand. J'avais dit qu'on faisait juste la structure de la maison, donc c'est chose faite. Il nous reste donc plus que le côté là. Donc là, ce côté là en fait, merde, là-bas en fait c'était la terrasse. J'ai oublié. Bon, la terrasse c'est pas grave, ça change rien, c'est toujours les mêmes fenêtres à part que. 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2. À part que là. Là, c'est de la pierre. Et là, c'est du bois. Voilà. Tout ça, là. C'est du bois, en fait. Voilà. J'ai oublié de faire la terrasse, c'est pour ça. Excusez-moi. Voilà, impeccable. Et donc, du coup, là-bas, bah, c'est ce qu'on a fait juste ici, juste avant. Donc, ça fait 1. 2, fenêtre 1, fenêtre 1, et ensuite j'avais dit la bois, il me semble, de mémoire. Ensuite ça avait dit fenêtre 2, non, attends, 1, 2, fenêtre, tac, bois, et puis fenêtre 2, voilà, comme ça, voilà, c'était comme ça, voilà, impeccable. Donc voilà, c'est sur ce les amis. Bon, c'est pas un épisode super passionnant. En même temps, j'avais dit au niveau des constructions, le problème c'est qu'on réfléchit. On réfléchit à comment on va faire pour pas faire d'erreur et du coup, bah, il se passe pas non plus des choses passionnantes. Ça sera sûrement un peu mieux la prochaine fois parce que ça sera de la déco. Là, c'était vraiment la structure, hein, les bases, on va dire. Et puis voilà quoi, donc sur ce, n'hésitez quand même à mettre un petit pouce vert, ça fait quand même plaisir. Un commentaire, donner votre avis. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Allez, sur ce, à la prochaine. Tchuss!